Chaque histoire qu'on lit ou qu'on écoute est forcément racontée par un narrateur. Ce dernier se place selon un angle d'observation bien précis, une position selon laquelle il perçoit les personnages et les événements de l'histoire qu'elle raconte. On appelle cette position le point de vue ou la focalisation. Il y a donc trois types de focalisation. La focalisation zéro, où il y a tout simplement une absence de focalisation. La focalisation interne, puis la focalisation externe. Dans la focalisation zéro, ou ce qu'on appelle aussi le narrateur omniscient, le narrateur sait tout des personnages, leur passé, leur futur, leurs pensées, leurs sentiments. Il peut même savoir plus que les personnages eux-mêmes et peut donner au lecteur des informations que les personnages ignorent. Omni, ça veut dire tout, et scient veut dire celui qui sait, donc celui qui sait tout. On peut d'ailleurs comparer cette connaissance à celle d'un metteur en scène d'un film qui connaît l'histoire et ses aboutissements d'avance. On dit d'ailleurs que Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il connaît tous les secrets. Alors, quels sont les indices pour reconnaître ce genre de narration ? D'abord, le narrateur n'est pas un personnage de l'histoire. Et ensuite, pour parler de ces personnages, il utilise la troisième personne, il. Donc, il s'agit très souvent d'un narrateur omniscient lorsqu'on a dans le récit une narration à la troisième personne. On rencontre dans les textes racontés par un narrateur omniscient le vocabulaire de la pensée, des émotions, des sentiments, ainsi que le lexique des cinq sens, goûter, sentir, entendre, regarder, toucher, etc. Alors, quel effet est produit par ce genre de narration ? La focalisation zéro donne au lecteur l'impression de dominer le récit et lui offre un grand nombre d'informations. Aussi, elle lui donne l'impression que les personnages sont comme des marionnettes dirigées, voire manipulées par le destin. Et voici un exemple de la focalisation zéro. La nuit était très sombre, une brume humide qui s'élevait du fleuve et des terrains marécageux d'alentour s'étendait sur les champs mornes. Il faisait de plus en plus froid perçant, tout était sombre et lugubre. Pas un mot ne fut prononcé, car le conducteur commençait à avoir sommeil, et Sykes n'était pas d'humeur de pousser à la conversation. Olivier restait pelotonné dans un coin de la carriole, perdu dans son inquiétude et ses appréhensions, et croyant voir des choses étranges dans les arbres, dénudés dont les branches s'agitaient sinistrement. Charles Dickens, Les aventures d'Olivier Twist. 2. La focalisation interne. Le narrateur, dans cette focalisation, est un personnage de l'histoire. Il la raconte à travers son propre point de vue. La narration est faite donc soit à la première, soit à la troisième personne, je ou il. Mais le personnage n'est jamais décrit de l'extérieur. Dans cette situation, le narrateur en sait autant que le personnage. On ne connaît donc les pensées et les émotions que d'un seul personnage, qui est le narrateur lui-même. La focalisation interne donne au lecteur l'illusion que le narrateur lui raconte son histoire. Elle permet de mieux cerner la psychologie du personnage et de le comprendre de l'intérieur, ce qui pousse le lecteur à s'identifier à lui, à se sentir proche de lui et à ressentir ce qu'il ressent.
Pour identifier ce genre de narration, on peut trouver les indices suivants. Les verbes de perception, comme sentir, apercevoir, distinguer, ressentir, etc. Puis, les verbes d'opinion, croire, penser, estimer, considérer, etc. Ensuite, les verbes de sentiment, aimer, craindre, s'étonner. Après, les verbes qui indiquent les pensées intérieures du personnage, comme comprendre, se dire, se souvenir, imaginer, ainsi de suite. Lisons ce passage tiré de la boîte à merveilles d'Ahmad Safraoui. Je trouvais Zineb et déployais de vains efforts pour faire comme les autres, se frotter les yeux, mais aucune larme n'en coulait. Ils étaient toujours aussi secs et aussi brillants que quand elle me faisait quelque misère. Je la regardais un moment et d'un mouvement aussi prompt qu'inattendu, je lui envoyais un coup de poing sur le nez. Des torrents de larmes lui inondèrent le visage. Ses cris dominèrent le tumulte. Je me sauvais sur la terrasse. 3. La focalisation externe. Ici, le narrateur n'est pas un personnage de l'histoire. Il se place donc en observateur extérieur et donne au lecteur des informations sur le comportement apparent des personnages et rapporte les actions telles qu'elles se passent. Donc, il ne rapporte que ce qui peut être vu de l'extérieur. Il fonctionne comme une sorte de caméra filmant une scène. Il n'intervient jamais dans le récit et ne cherche ni à expliquer ni à interpréter les événements. L'effet produit par cette focalisation. Il y a une sorte de neutralité, d'objectivité, donc d'absence d'émotion. Ici, la narration n'oriente pas les réactions du lecteur. Elle lui laisse une grande part à l'imagination. Le lecteur est donc tenu en attente, en haleine, grâce au suspense créé par cette technique. Les indices. Alors, pour parler de ces personnages, le narrateur utilise la troisième personne, il. Il utilise aussi les verbes d'action, regarder, parler, marcher, puis des compléments circonstanciels de lieu, ici, là, là-bas, derrière, dessous, à droite, etc. Le passage suivant illustre bien la focalisation externe. Cependant, Gervaise, à petits pas, suivait l'allée en jetant des regards à droite et à gauche. Elle portait son paquet de linge passé au bras, la hanche haute, boitant plus fort, dans le va-et-vient des laveuses qui la bousculaient. Hey, « Hé, par ici, ma petite !» cria la grosse voix de Madame Bosch. Puis, quand la jeune femme l'eut rejointe, à gauche, tout au bout, la concierge qui frottait furieusement une chaussette se mit à parler par courtes phrases sans lâcher sa besogne. « Mettez-vous là, je vous ai gardé votre place. »« Oh, je n'en ai pas pour longtemps. » Bosch ne s'allait presque pas sans linge. « Et vous, ça ne va pas traîner non plus, hein ? Il est tout petit votre paquet. » Mais à la fin, il faudrait signaler que dans un même texte, on pourrait rencontrer plusieurs types de focalisation.